laatste hulp van NLB, die speelt Roodkapje of Le Petit Chaperon Rouge. Geniet ervan. In het Theopark, daar zijn ze daar. Ik ben niet vergeten met het professioneel. Sa mère et sa grand-mère l'aimaient beaucoup. Un jour, sa mère lui donne un petit chapeau. Petit chapeau de couleur rouge, très bien. Tout le monde l'appelle petit chapeau en rouge. Un bon matin, sa mère lui. Ta grand-mère est malade. J'ai fait des gâteaux. Va la voir et apporte-lui ce gâteau et ce petit pot de confiture. N'oublie pas de prendre le chemin le plus court et de rester sur le sentier parce que le grand méchant loup vit dans la forêt. Le petit chaperon rouge part aussi. On tombe à la forêt de rencontre. Bonjour petite fille, où est-ce que tu vas? Je vais voir ta mère. Je lui apporte un gâteau et un pot de confiture. Est-ce qu'elle habite pas loin? Oh oui, c'est très loin. Que le moulin, qui est là-bas? Moi aussi. Je veux aller voir ta grand-mère. Je vais prendre ce chemin et donc tu prends cet autre chemin. Nous verrons qui arrivera le premier. Le loup se met à courir de toutes ses forces par le chemin le plus beau. La petite fille prend le chemin le plus long et s'amuse à cueillir des fleurs pour en faire un joli petit bouquet pour la grand-mère. Le loup arrive le premier à la maison de la grand-mère. Il frappe à la porte. C'est votre petite fille. Je vous apporte un gâteau et le pot de confiture. Entre ma fille, entre. Le loup ouvre la porte et se jette sur la porte. Il emmage aussitôt. Car on a bien mangé depuis 3 jours. Ensuite, il se couche dans le lit de la grand-mère. Il attend le petit chaperon rouge. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge frappe à la porte. C'est votre petite fille. Je lui apporte un gâteau et un pot de confiture. Entre, ma fille, entre.